Bonjour à tous, donc je vous remercie pour votre patience et toutes nos excuses pour ce petit décalage. Nous allons enfin commencer notre webinaire qui s'intitule « Bien déployer votre logiciel ERP ». Ce webinaire va être animé par moi-même, Guillaume Delperry. Ce webinaire est animé par Guillaume Delperry, moi-même, directeur du groupe Pégase Informatique, qui intervient dans l'accompagnement des sociétés pour la mise en place d'un nouveau système d'information. Avant de rentrer sur les bonnes pratiques et les conseils pour déployer un ERP, il est important de rappeler l'intérêt de mettre en place un ERP au sein d'une société. L'ERP va permettre de simplifier la communication en interne, de centraliser l'ensemble des informations dans une base unique, qui pourrait être partagé de manière intelligente avec les différents services de la société. L'ERP va permettre également de structurer les règles de gestion d'une société en définissant des étapes de validation pour tout l'ensemble des flux, qu'il s'agisse de flux comptables, financiers, commerciaux, RH, stock, production et ainsi de suite. Donc, le premier conseil pour débuter la mise en place d'un ERP, c'est de réaliser un état des lieux. État des lieux de la société dans laquelle vous travaillez, qui doit, d'une manière générale, prendre en compte différents facteurs. Le premier facteur est de prendre en compte le retour sur le système d'information actuellement en place au sein de la société. Le retour des utilisateurs, le retour des responsables de service, le retour de la direction par rapport au logiciel ou aux outils en place. Il est important de différencier les profils d'utilisation entre un utilisateur qui va avoir une utilisation quotidienne du logiciel, qui généralement va faire des retours sur des blocages ou sur un manque de performance du logiciel. Le feedback des responsables est bien plus généralement lié par rapport à des besoins de workflow, de validation, de couverture fonctionnelle de la solution. Et la direction va avoir un feedback pour informer de la capacité de l'ERP à l'aider à prendre des bonnes décisions de gestion tout au long de l'activité de la société. Donc cet état des lieux, je vous dis, commence généralement par un premier feedback des différents utilisateurs, des différents acteurs du système d'information actuel. Néanmoins, il est important de compléter cet état des lieux par trois éléments. Premier élément, c'est de réaliser une étude, un benchmark, sur les éventuels enjeux réglementaires, fiscaux ou économiques que peut faire face la société. Il peut s'agir d'une obligation de respecter de nouvelles normes, d'une évolution, comme l'a connu le Maroc ces dernières années, au niveau de télédéclarations qui sont demandées par les différents services de l'État, ou des besoins clients qui sont plus nombreux, différents ou variés, qui peuvent pousser à une réflexion de mise en place d'un ERP. L'évolution peut également venir en interne dans la société. Souhaiter lancer une nouvelle activité, un nouveau service, un nouveau département, partir
à la conquête de pays africains sont des éléments qui vont permettre de tailler la feuille de route des principales caractéristiques de l'ERP que vous aurez à choisir à mettre en place. Dernier élément à étudier, il peut être intéressant également de regarder ce que vos concurrents font et éventuellement ne font pas au niveau de leur gestion en interne. Aujourd'hui, avec le virage de la transformation numérique, avoir un outil de gestion performant et qui est capable de répondre aux enjeux actuels et futurs est une nécessité pour se démarquer de la concurrence. Une fois cet état des lieux réalisé, vous aurez un aperçu des principales caractéristiques qu'il faudra prendre en compte dans le déploiement d'un ERP. N'oubliez pas que la mise en place d'un ERP dépend également de l'équipe interne qui le mettra en place. Et pour cela, il est important de nommer des acteurs clés qui vont participer à la mise en place de ce projet. Les acteurs clés sont généralement de trois catégories. Définition du besoin, un comité de pilotage projet ERP suit le B et la méthodologie qui aura été définie. Au niveau de ces différents acteurs qui interviennent sur un projet ERP, il est important de retrouver des caractéristiques similaires sur chacun de ces trois profils. La première chose qui va être importante de sensibiliser les acteurs clés, c'est sur leur capacité à relayer l'opinion et l'information par rapport à ce déploiement. Il est conseillé de choisir des acteurs qui ont une certaine capacité à partager leur opinion, à influencer leurs collègues, pour qu'ils soient des acteurs de la communication interne sur ce projet indirectement. C'est des acteurs sur lesquels il faudra particulièrement être vigilant sur leur capacité à accepter le changement. Bien souvent, mettre en place un nouvel ERP sous-entend mettre en place des nouvelles règles de gestion et amener la société à changer sa manière de travailler. Ce changement doit s'opérer de manière intelligente et avoir des acteurs clés qui favorisent le changement est une nécessité pour éviter que d'une manière globale, on se retrouve dans une position de frustration. Excusez-moi pour cette petite coupure, mais je voyais sur les
Excusez-moi pour cette petite coupure, mais en regardant le chat, je me rends compte que quelques-uns d'entre vous avaient des difficultés pour suivre la conférence. Alors, comme je l'écris sur le chat, n'hésitez pas à interagir en temps réel si vous avez des difficultés à m'entendre ou à suivre la conférence. Donc, je continue. Je vous disais, au niveau de la nomination des acteurs clés, faire en sorte qu'il s'agisse de leaders d'opinion ou faire en sorte également que ce soit des facilitateurs sur la conduite du changement. Et d'une manière générale, il n'est pas obligatoire pour animer la mise en place d'un projet ERP que les acteurs soient des spécialistes en informatique. C'est toujours un plus quand ils ont une connaissance technique, logicielle, système, base de données, pour échanger avec les intégrateurs qui vont mettre en place la solution. Mais ce qui est surtout important pour faciliter la mise en place du projet, c'est de faire en sorte que les acteurs connaissent le métier de la société. Et donc avoir des profils qui sont capables à la fois de connaître la société et son fonctionnement, de connaître son public, ses collègues, pour faciliter la conduite du changement, sont des éléments clés pour faciliter la mise en place. Une fois que l'état des lieux est réalisé et que les acteurs qui vont participer au projet ont été nommés, l'étape suivante est bien souvent de rédiger un cahier des charges. En effet, vous serez amené à choisir une solution et un prestataire. Et pour cela, il faut s'assurer que la solution réponde à vos attentes et à vos besoins. L'objectif du cahier des charges n'est pas obligatoirement de lister l'ensemble de votre processus de gestion dans les moindres détails. On se retrouverait avec des cahiers des charges trop volumineux, trop longs à réaliser, et surtout qui ne seraient pas exploitables directement pour la mise en place du projet. L'intérêt de définir un cahier des charges, c'est de s'assurer de manière objective en comparant plusieurs solutions, de savoir quelles sont les solutions qui couvrent les fonctionnalités qui sont attendues par chacun des services de votre société. Le cahier des charges est une base contractuelle sur laquelle ensuite s'engageront le prestataire, la solution dans la mise en œuvre. Donc le document est important. Il ne faut pas tomber, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans l'attente d'un document qui exprimera de manière définitive et complète tous les détails de gestion qui seront attendus. L'intérêt du cahier des charges est de s'assurer que la couverture fonctionnelle de la solution correspond dans les grandes lignes, dans les grandes fonctionnalités, aux attentes des utilisateurs. Si nécessaire, et c'est important de l'identifier le plus rapidement possible, il ne faut pas non plus se limiter aux attentes fonctionnelles actuelles. Anticiper des besoins futurs, qui ne seront peut-être pas mis en place dès le démarrage de l'ERP, mais dans un avenir à moyen terme, sont également des éléments qui sont importants de préciser dans le cahier des charges. Ce cahier des charges doit normalement vous permettre de définir ce qu'on appelle une shortlist, c'est-à-dire un groupe restreint des solutions et des prestataires qui sont le plus à même à répondre aux besoins de mise en place d'un nouvel ERP. C'est important ensuite de compléter ce cahier des charges par des
séance de démonstration pour les personnes qui ont été retenues dans la shortlist, pour permettre aux utilisateurs, pour permettre à l'équipe projet qui a été nommée précédemment d'échanger directement sur la base d'un visuel, sur la base d'une présentation du logiciel, et de s'assurer qu'il correspond aux attentes des différents membres de la société. Le cahier des charges, de s'assurer que la solution répond à des besoins fonctionnels. Néanmoins, ce n'est pas le seul critère à retenir, la couverture fonctionnelle, pour choisir un ERP. Il est très important, au cours du choix et de la mise en place d'une nouvelle solution, de prendre en compte l'adaptabilité et la pérennité de la solution qui va être retenue. Un ERP, mettre en place un ERP au sein d'une société, c'est comme un mariage. Bien souvent, c'est fait pour durer dans le temps, et en cas de problème, la rupture est toujours violente. Donc, la solution qui va être retenue doit à la fois répondre à la problématique actuelle, éventuellement à des besoins fonctionnels qui ont été identifiés mais dont la mise en place sera future, mais surtout doit rassurer la société sur sa capacité à accompagner votre société dans les 10 prochaines années. Et pour ça, il y a plusieurs éléments qui sont importants de prendre en compte. Premièrement, savoir si la solution est cloisonnée à des fonctionnalités définies ou si elle a la possibilité, à travers des ouvertures, à travers des outils de développement, de s'enrichir. Le deuxième critère, c'est de vérifier la roadmap, c'est-à-dire les évolutions qui sont prévues sur la solution. La solution actuelle qui sera retenue par votre société sera une version définie. Il est intéressant de s'attarder sur les évolutions récentes qu'il y a pu avoir sur la solution et surtout sur les évolutions futures qu'il pourra y avoir. Si vous apprenez par exemple une nouvelle version avec des changements importants qui va être réalisée par un éditeur dans les 12 prochains mois, il faut être conscient qu'en retenant cette solution, vous partirez sur une version qui deviendra très vite obsolète. C'est important également de s'assurer de la pérennité de l'éditeur, car ayant une roadmap, ayant une technologie, ayant tous les éléments pour faire en sorte qu'il s'agisse d'une bonne solution, si demain l'éditeur disparaît, il sera très compliqué de maintenir cette solution en activité au sein de votre société. Et notamment dans le secteur informatique, ces dernières années, ces derniers mois, beaucoup d'éditeurs vivent des changements importants. Certains se font racheter par des fonds d'investissement, certains disparaissent, certains fusionnent, d'autres assurent une certaine stabilité et une certaine pérennité. Donc, identifier des éléments qui seront propres au cas à la viabilité de l'éditeur sur le long terme est un élément important à prendre en compte au niveau du choix de l'ERP. Après avoir évoqué les fonctionnalités qui sont détaillées dans le cahier des charges, l'éditeur et sa viabilité sur le long terme au niveau de son adaptation et de la pérennité, il est important de comprendre qu'un élément essentiel dans la réussite d'un projet ERP est l'intégrateur, le prestataire, qui aura pour rôle
de mettre en place la solution au sein de votre société. Avoir une solution très riche fonctionnellement, mais avoir des personnes qui ne vont pas être capables de permettre à votre société d'exploiter 100% du potentiel du logiciel serait un gros gaspillage. Bien souvent, au niveau des éditeurs, un réseau de partenaires, intégrateurs, prestataires, revendeurs, est en place pour accompagner la solution et accompagner la société dans l'utilisation de la solution. Que ce soit pour des formations, que ce soit pour des paramétrages, que ce soit également pour de la personnalisation de la solution par rapport à certains besoins spécifiques. Pour faire le choix d'un ERP, il va bien souvent de pair avec le choix de l'intégrateur. Et donc, à ce niveau également, il est important de se renseigner et de bien qualifier la qualité de service apportée par l'intégrateur. Plusieurs éléments peuvent être utilisés pour faire cette étude. Éventuellement, vérifier les certifications, les diplômes, les garanties que peut vous apporter l'intégrateur sur la bonne maîtrise qu'il a de la solution de laquelle il est partenaire. S'assurer de la taille de son équipe, savoir si les profils sont suffisamment nombreux, suffisamment expérimentés, est un élément important également. Et tout comme l'éditeur, s'assurer que le prestataire, l'intégrateur, ait une capacité à vivre dans le temps pour accompagner votre projet. Proximité régionale, savoir s'il a uniquement un siège au niveau de Casablanca, savoir s'il est présent éventuellement en région pour accompagner une agence, pour accompagner une usine et faciliter la proximité. Sa viabilité économique, avoir un intégrateur qui est en phase de croissance, de stabilité ou de récession, est un élément à prendre en compte pour s'assurer qu'il pourra devenir le partenaire pour accompagner votre projet ERP. On a vu l'étude de l'éditeur. Je viens d'évoquer à l'instant la prise en compte de la qualité et du sérieux de l'intégrateur. La mise en place d'un projet ERP demande également une réflexion sur la structure et l'infrastructure informatique qu'il va falloir proposer en interne pour permettre ce changement et cette refonte du système d'information. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. Déjà, de savoir s'il sera pertinent ou non de conserver cette infrastructure informatique en interne dans la société. Centraliser toutes les informations sur un ERP rend la société très dépendante de cet ERP. En fonction du taux de disponibilité attendu, en fonction de la criticité que représente une coupure, une interruption de service au niveau de l'ERP, il sera à réfléchir si le serveur, le data center est plus pertinent en interne ou il est plus simple d'externaliser ce service au niveau de spécialistes en data center et de basculer dans ce qu'on appelle un environnement cloud. Afin de s'assurer de ces possibilités, il est important, quand vous choisissez la solution, de s'assurer qu'elle va être compatible avec un mode ou avec plusieurs modes de déploiement. Est-ce qu'il est possible de l'installer localement ? Certaines solutions sont disponibles qu'en mode SaaS. Est-ce qu'il est possible, inversement, de l'utiliser en mode cloud? Est-ce que des modes hybrides sont possibles? Ce sont des questions qu'il faut obligatoirement obtenir des réponses
afin d'assurer une pérennité, encore une fois, de la solution par rapport aux problématiques que peut représenter ou que peut avoir votre société. Une fois que l'infrastructure est décidée, il va falloir également étudier les risques que représente la mise en place d'une telle solution. Les risques dans tout projet ERP existent et peuvent être nombreux. Il faut réussir à les identifier rapidement pour les anticiper et les mettre en place. Au niveau de ces risques, les risques peuvent être à différents niveaux. Le risque le jour du basculement, pour être sûr que le projet est réfléchi par rapport à un planning global de l'entreprise. Il est parfois difficile pour des entreprises de basculer pendant le mois de Ramadan, dans lequel les utilisateurs sont absents ou sont soumis à des contraintes d'horaire et d'activité. La période de vacances estivales peut être une facilité comme peut être une contrainte, ou généralement tout pic d'activité commerciale ou de production de la société sont des périodes à éviter pour déployer un projet ERP. Le risque peut être également au niveau de la conduite du changement. L'intérêt d'un ERP, c'est qu'il soit utilisé. Et pour ça, il faut être capable de préparer et d'identifier les éventuels blocages internes et humains qu'il peut y avoir pour accompagner les utilisateurs sur cette nouvelle prise en place. Redéfinir les fiches de poste, accompagner l'utilisateur à la maîtrise de l'outil informatique, faire évoluer un métier ou une manière de travailler, sont autant d'éléments sur lesquels il faut être très attentif pour s'assurer que le projet réussisse. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur la slide suivante, durant laquelle j'incite particulièrement les chefs de projet à préparer le changement en interne. Encore une fois, la mise en place d'un ERP va permettre la mise en place d'un nouvel outil informatique, mais surtout va permettre de définir des nouvelles méthodes de travail, voire des nouvelles méthodes de management également. Ce changement s'anticipe, on peut le faire de manière collaborative, coopérative. Il est possible d'expliquer les enjeux du projet et ce que la société attend avec l'investissement qu'elle fait dans un nouveau système d'information pour éviter des frustrations, pour éviter des blocages et pour faire en sorte que, d'une manière générale, tous les acteurs du nouveau système d'information convergent dans leur utilisation. Il est conseillé de pratiquer quelques réunions, des réunions d'information, des réunions de présentation du produit, des réunions de présentation des enjeux à l'ensemble des personnes qui seront confrontées à ce nouveau système d'information avant le basculement. Le système ne doit pas être imposé, il doit faire en sorte que chacun puisse travailler de manière plus performante. Et donc, accompagner cette démarche en termes de communication, en termes d'organigramme et en termes de participation est important pour faciliter la mise en place d'un tel projet. Comme vous l'avez compris, la mise en place d'un projet ERP est quelque chose qui peut être complexe et qui peut être également très délicat à mettre en place dans l'ensemble d'une société. Il est intéressant quand on se rend compte que les problématiques de risque
de conduite du changement ou de basculement seront compliqués, de découper le projet en plusieurs phases. Les phases peuvent être comprises sur deux aspects. On peut généralement, quand c'est possible, mettre en place un ERP module par module, tout en ayant conscience que certains modules sont indépendants entre eux. Donc, mettre en place un premier lot fonctionnel qui couvrira les achats, gestion de stock, la facturation, la partie vente, et dans un deuxième temps, des services support comme la comptabilité, la paye, le SAV. Peut-être une démarche pour scinder le basculement et faciliter la transition de manière progressive de l'entreprise vers son nouveau système d'information. Le découpage en phase peut être également vu en termes de profondeur fonctionnelle. Il peut être envisagé dans un premier temps d'avoir une phase qui va permettre de faire basculer sur le nouveau système d'information tous les départements de la société en même temps, mais avec des fonctionnalités d'un premier niveau. Les fonctionnalités minimum et vitales pour permettre le fonctionnement de l'entreprise. Les tableaux de bord, les contrôles, les alertes, les optimisations, l'anticipation sur les données viendront éventuellement dans un deuxième ou un troisième lot. Cette façon de travailler en phase permet de répartir équitablement les impacts que peuvent avoir la mise en place d'un système d'information en plusieurs étapes. Il est important également de prendre en compte dans un déploiement, c'est l'activité post-projet du déploiement. La mise en place va durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, en fonction du planning qui aura été validé au sein de votre société. Il est important de réfléchir également à l'accompagnement post-déploiement qui va être mis en place. Une fois le projet terminé, des besoins complémentaires vont éventuellement apparaître. Des besoins en termes de fonctionnalités, des besoins peut-être en termes de formation, des besoins peut-être en termes d'évolution et de réponse à de nouvelles attentes n'avait pas été prévu initialement. Assurez-vous, pour anticiper ce post-projet, d'avoir un cadre clair et contractuel avec l'éditeur et avec le prestataire en ce qui concerne les mises à jour, en ce qui concerne la maintenance curative et préventive pour anticiper et s'assurer que le logiciel continue à être performant et puissant, et éventuellement anticiper les besoins en formation et voir si votre prestataire propose des solutions d'e-learning, des solutions d'apprentissage qui permettront à des nouveaux collaborateurs arrivés après le projet de prendre en main rapidement la solution. Pour conclure, à travers ce webinar, je n'avais pas la prétention à proposer des solutions et des facteurs de succès, en tout cas de vous présenter tous les facteurs de succès possibles et imaginables qui sont nécessaires de prévoir lors de la mise en place du déploiement d'un ERP. Néanmoins, à travers les différentes slides que j'ai pu parcourir avec vous au cours de cette conférence, il était important de vous montrer différentes facettes et différents aspects de la mise en place d'un projet ERP.
Ces aspects peuvent concerner des aspects humains, des aspects organisationnels, des aspects logiciels et des aspects contractuels. Il est donc bien important de cerner les différents enjeux sur ces différentes particularités pour s'assurer que votre projet soit une réussite pour les utilisateurs et pour les différents profils d'utilisateurs. Je reste à votre disposition pendant quelques minutes sur le chat. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger par rapport à cette présentation, parcourir cette vidéo et de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour rappel, Pegase Informatique et problématiques de RP. Nous sommes certifiés depuis 2017 Gold Partner Infinity et nous accompagnons actuellement plus de 2500 utilisateurs sur le Royaume du Maroc à travers nos différentes agences pour faire en sorte que nos clients deviennent de plus en plus performants à travers leur gestion. Je vous remercie à tous pour votre participation et si nécessaire, nous reviendrons vers nous et nous vous présenterons nos coordonnées si vous souhaitez échanger un peu plus sur votre projet. Bonne continuation et bonne fin de journée. À très bientôt, j'espère.